Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 9. Et dans cette vidéo, je vais réaliser le défi qui est d'accomplir les défis chronométrés dans un avion X4 Aquilon. Je vais vous indiquer les 3 emplacements des défis possibles et je vais vous montrer le spawn de tous les avions possibles sur Fortnite. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, merci à tous ceux qui le feront. Donc première chose, je vous affiche une map avec les 3 emplacements possibles de défis. Et maintenant, je vous affiche tous les emplacements possibles de spawn d'avions dans la map. Et c'est parti pour réaliser ces défis. Let's go! Premier conseil que je vous donne, c'est de sauter en dernier pour être sûr d'avoir un avion. Donc moi, j'ai sauté en dernier et j'espère pouvoir obtenir l'avion qui est juste au-dessus, juste en dessous de moi, juste ici, où il y a le point d'observation. Voyons voir, il y a 2 avions, c'est déjà une bonne chose pour moi. Et j'ai pas l'air d'avoir d'autres concurrents, donc c'est nickel. Maintenant, je vais réaliser les défis qui sont à l'extérieur du cercle et je vais essayer de réaliser le premier que j'ai vu sur la map qui est au-dessus de l'Azinex. Donc à peu près, de toute façon, on le voit, c'est assez flagrant. Donc on va voir ce que c'est le défi, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Donc on peut déjà apercevoir qu'il faut y aller de l'autre côté, je pense. Je pense qu'il ne faut pas que j'aille de ce côté-là. On va quand même tester, on verra bien. Ah si, c'est bon, c'était bien de ce côté-là. Donc là... faut que je me dépêche pour prendre tous les points, donc je pense que ça doit pas être trop compliqué. Hop, 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 hop. Yeah. Donc n'hésitez pas. Oh là, j'ai fail. Donc c'est parti, deuxième essai. Hop, j'ai bien gardé mon boost au début. Je redresse, je l'ai eu, nickel. Je redresse. Et là, je peux appuyer 2 fois sur L1. Enfin, si je maintiens L1 et R1 enfoncé, je peux faire ça. Donc peut-être ça peut vous aider. Quand vous appuyez sur R1 deux fois, vous faites des roulades comme ça. L1 deux fois, c'est des roulades comme ça. Donc voilà, le premier défi a été validé. Maintenant, on va aller au deuxième défi qui est à l'extérieur du cercle. Je pense que j'aurai le temps d'y atteindre. Donc c'est à Lonely Lodge. Donc là, j'arrive au deuxième défi. Je garde mon boost pour bien commencer le défi parce que sinon, je vais peut-être pas avoir assez de temps. Mais je pense que c'est plus manipulation que de temps. Je pense que le chronomètre, il est assez facile. Ok, donc là... je descends, je pique direct. Ok, nice. Nice, bro. Et là, je me maintiens. Vous avez vu? Ouais, là, j'ai géré. Non! Putain, j'avais géré. Je suis dégoûté. En fait, j'ai appuyé sur L1 et R1 et ça m'avait retourné direct, quoi. Fais chier. Allez, c'est parti pour le deuxième essai. Mais là, je vais pas activer mon boost dès le début. Ouais, quoi que si, hein. Je l'active dès le début. Voilà, hop, je descends, je pique. Et là, quand j'arrive en bas, je pique. Je relève. Non! Fuck! Fuck, putain, j'ai raté encore. Si vous avez une meilleure technique pour réussir ce looping, n'hésitez pas à me le dire. Là, je vois qu'il y a un autre ennemi qui est en train de le faire avec moi. Nice. On va voir si lui, il y arrive. Pour l'instant, il a déjà raté. Donc là, je descends. Oh, la zone. Putain, c'est mon dernier essai, là. Non. Ah, je sais ce que je vais faire. Voilà, je fais ça. Voilà, comme ça. Hop, je mets un boost. Voilà, j'ai fait un grand L. Il y a peut-être moins que j'y arrive. En fait, non, ça va pas être possible. Hein. Ça va pas être possible. Non. C'est pas grave, je vais faire le troisième défi, donc le troisième qui se trouve à Frosty Fly, donc c'est parti, let's go. Ah, lui non plus n'a pas réussi, on va un peu le faire chier. Ok, il est même pas à Frosty Fly, il est beaucoup plus bas, il est juste ici près de la pique, donc juste en face de moi. Donc celui-là, je sais pas s'il est plus facile, mais j'espère, comme ça je réussis les 2 en une seule game, parce que sinon je vais devoir recommencer. Et ça va pas trop le faire. Donc là déjà, on peut voir que je dois y aller dans l'autre sens, parce que les traînées m'indiquent le sens où je dois y aller. Donc allez, c'est parti, on va essayer ça. Ok, il est quand même hors zone. Donc j'ai 59 HP, donc normalement ça devrait le faire. Ok. Ok, on est bon là, on va mettre le petit boost. Direct. Boum. Ok, donc il faut que j'aille vers le bas. Ça a l'air un peu plus facile, j'ai l'impression. Ouais, nickel, ça a l'air un petit peu plus facile. Quoique. Ok, nice. Nice job. On continue. Ok, celui-là il est beaucoup plus facile. Nice. Boum. Et le dernier. Et c'est validé. Et voilà les potos. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike. Et ciao. Peace.